Salut à tous, c'est Adrad, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Prison Architect. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer, j'y m'ai dit, essayer d'agrandir la prison. Alors, je ne promets rien, mais c'est un but. Donc, comment est-ce que ça va se passer? En fait, j'espère réussir à faire une extension par ici, vous voyez. Donc le mur continue là et que là ça s'ouvre. Donc pour cela on va faire un mur là. Un mur. Alors attendez. Je vais calculer mon coût. Voilà, c'est 2 pour le passage. 1, 2. Et pour prison on laisse 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Hop, donc déjà on va faire ça. Ensuite le principe va être d'aller jusqu'à très loin. Le problème c'est que pour aller jusqu'à très loin, il faut vraiment aller jusqu'à très loin. Ce qui peut être assez problématique, on ne va pas se mentir actuellement. Ensuite, je vais faire un petit check down. Parce que par exemple, voilà, il y a un hammer, tout va bien. Une spoon. Combien je viens d'accueillir? 8. 8, 8, 8. De l'alcool, de la drogue, j'ai bien fait de faire un petit coup. Ah, ça craint quand même, parce que sur 24 prisonniers, il y en a 9 qui vont être indisponibles. Et qu'est-ce qu'il reste comme place à fouiller? Une place. Une spoon. Oh là là, c'est un massacre. C'est un massacre. J'ai bien fait de faire un lockdown. Bon, la pression n'a pas l'air d'augmenter, tant mieux, needs, tout va bien. Toujours moins 450 000 dollars. Toujours 450 000 dollars. Je sais pas ce que c'est Ring permanent. Bon, donc réfléchissons. Si je fais une extension, on va la mettre jusque là à peu près pour l'instant. Oula, ah, je suis en mode clone, d'accord. Donc jusque là à peu près, donc ça fera à peu près grosso merdo ça. Et on va voir combien ça nous coûterait. 4000. Ça nous coûterait 4000. Bon, 4000, ça peut savoir assez vite. Vu la masse d'income que j'ai maintenant. Et par contre, l'installation des prisons devrait prendre genre un ou deux jours de plus. C'est bien ça le problème. On va voir. 23, 28, 26, 23. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça, c'est plutôt rentable, on va dire. Ouais, ça, heureusement qu'un garde est venu stationner ici. Personne ne veut prendre de douche. Cuillère, cuillère.
Bon, attendez. On va save avant construction. J'ai dit avant construction. On va save parce que j'ai un peu peur de ce qui peut se passer actuellement. Si le jeu fait pas ce que je veux, ça peut tout foutre en l'air. Vous me direz, pour l'instant, ils me font require entrance. En fait, je vais être franc avec vous, ce qui m'inquiète, c'est que ce mur disparaisse et que du coup, ils en profitent pour se barrer. Ça m'inquiète grandement, si vous voulez savoir même. Alors, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que... on va reload cette... voilà. Hop, donc il fasse tout. Le voilà, nickel. On va attendre un jour de plus. Pourquoi est-ce qu'on va attendre un jour de plus? C'est parce que là, j'ai que 4000 de dispo. Ce qui fait que je peux à peine construire cette partie-là. Bah, je peux à peine faire ça, en fait. Le problème, c'est qu'il faut aussi que je relie ici. Parce que c'est ici qu'on creusera le mur pour... bah, pour voir, tout simplement. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de construire plus de workshops. J'aurai plus d'ouvriers disponibles. Et donc, du coup, ça pourrait être intéressant. Donc, on va laisser une journée de plus se dérouler. Ok, jobs. Ok, tout va bien. 8 prisonniers, non, j'en aurais 3. Même si que j'en ai qu'un qui part. Si j'en avais deux à la limite, pourquoi pas. Mais Denver Dinwich, il n'y a que toi qui pars. Ce qui fait que j'aurai un prisonnier sans prison. Enfin, sans cellule. Ça craint un peu clairement du boudin. Donc on va faire ça pour l'instant. Donc paf, nouveau jour, nouvelle journée. Bon, les géniteurs ils galèrent toujours. Bon, ils ont des sérieux, ils ont une complète sérieuse, mais le problème c'est qu'ils viennent de passer une nuit quoi. Voilà, d'un coup, boum, tout va redescendre. Dans une moindre mesure, en fait, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au réveil, ils ont vraiment l'air pas contents. Alors, limite, ce qu'ils pourraient faire. Je vais faire aller se coucher une heure plus tôt et leur faire prendre la douche une heure plus tôt. Hop, du coup là je pourrais tout décaler. Hop. Ah, là le problème c'est que je me suis niqué tout seul. Bien joué. Est-ce que je peux les faire travailler plus? Donc là je les ferai manger. C'est ça le problème en gros de manipuler l'agenda pendant que vous Hop. On va voir comment ça se passait comme ça.
Je pense que ce free time est trop. Je peux gratter une heure là. On va leur laisser. Bon, ils en ont peut-être pas besoin, mais au moins ils l'ont. Et ça va mieux pour eux, quoi. On va jouer la sécurité, on va dire. Du coup là ils vont taffer 3 heures seulement. Le matin ils travaillent de 8h à 11h. De midi 1h ils bouffent. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va faire ça comme ça pour l'instant. Donc pendant la nuit on fera un dismantle ici. On va le faire même maintenant. Au moins ce sera fait. Hop. Et on va s'occuper de ça pendant la nuit, je pense. On va voir ce que donnent les nouvelles horaires, s'ils apprécient ou pas. S'ils apprécient, ça sera tout bon. Là, du coup, le problème, c'est que je pourrais peut-être les faire manger un poil trop tôt, vous voyez. Donc, du coup, un needs, le food va monter en flèche. Voilà, il y a medium là, mais ça, ils vont péter un câble, quoi. C'est. Voilà, l'heure de shower qui sert à rien. Genre, au moins. Et là pour l'instant on va mettre une large gel d'or. Hop. Loans interest. Ah. J'ai oublié de sauvegarder. Merde. Bon mais t'as pu, je perds un jour. Quitte à perdre. Je préfère perdre un jour que. Que perdre des prisonniers actuellement. On va voir, ça donne au niveau des needs avec ce nouveau emploi du temps. Ouais, ça va, il y a hygiène qui, où ils vont, certains vont péter un câble, mais ça, à la limite. Ils ont l'heure de shower assez tôt. On devrait pas y avoir trop de problèmes. Ils arrivent à dormir alors qu'il y a un chantier derrière eux, quand même, j'annonce. Les mecs, costauds, solides. On voit les dépenses en light, quoi. Donc là je pense qu'il va peut-être falloir penser à investir dans un nouveau réseau électrique. Parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. J'ai pas fait un poil trop grand. Oh putain, ne me dis pas que j'ai calculé. J'ai chié mon calcul. Oh, ça me fait tellement chier. Oh, j'ai chié mon calcul. Quoique, ouais, non, non, c'est bon en fait. On va dire que ça va aller. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, ok, il se casse. Ouais, c'est normal. J'ai peur. Donc, 20 prisonniers, on va se calmer. Nouveaux prisonniers, on va se calmer, c'est peut-être un peu too much. Mais du coup, l'expansion de la prison s'est plutôt bien passée, ça c'est cool. Par contre, j'ai peur que toi t'exploses. Alors, clairement, toi, il y a un moment où tu vas faire punk, ça, tu vas me péter entre les doigts, ça va me faire bizarre. Oups.
C'est pourquoi est-ce que ça fail là? Pas assez de sous? Alors là, mes ouvriers, je sais pas ce qu'ils font, ils font plein de trucs, c'est un peu le dawa. J'ai vraiment peur qu'à un moment ça pète sous les yeux quoi. Donc j'ai installé une seconde centrale électrique. Je pense que ça va se faire. Ah, auto-saving. En tout cas pour l'instant ils ont pas l'air trop mécontents. On va voir au niveau des needs. Je sais pas s'ils ont arrangé le coup de. On est obligé d'avoir. On peut mettre des trucs en haut, donc je vais faire une nouvelle. Là, je vais mettre la power station ici, je pense. Hop, petit à petit, on éclaire tout. Ça va jusque là-bas, ça va jusqu'au fond. Tout va bien. Ah non, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière ici. Si, ils sont ok. Ah! J'ai réussi à me chier, c'est ça? Bien joué, moi. J'ai réussi à me chier. GG, GG, GG. T'as 3 nouveaux prisonniers qui vont bientôt se barrer quoi. Sérieusement? Bon, jour 25, tout se passe bien pour l'instant. On a eu quelques fuites qui étaient parce que j'étais très, parce que j'ai sûrement très mal joué. Alors du coup, ça va rien me coûter d'installer la CCTV ici. Dans Object, CCTV, oui, je l'ai déjà. Je l'avais démonté exprès donc. Il faudra aussi que j'agrandisse les douches parce que. De boulot à faire, beaucoup de boulot je trouve. Bon alors niveau war, oh putain je crois qu'il y en a vachement plus qu'avant. Cette nouvelle horreur m'a l'air géniale. Il n'y a pas beaucoup de needs. Attention, c'est le moment où on va être très heureux, très heureux si vous voyez ce que je veux dire. Attention Tink. Bitch please. Donc 5000, oh là 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 là. Ça coûte 5000. Oh ta mère. C'est bon, c'est pas trop cher. Alors, je vais acheter un capacitor et je vais prier pour que ce bug soit résolu. Genre si j'en mets un là, l'électricité continue de se débloquer parce que là, là à tout moment ça peut faire pssiou, et je peux être très triste. Mais vraiment très triste quoi. Ah, mon capacitor est pas arrivé ou quoi? Ok. What about my capacitor, bande de bitch? Non,
N'empêche, j'ai donné, vous êtes prisonnier, vous voyez qu'il y a tout ce bloc qui se construit en un jour, je pense que vous paniquez un peu quand même, vous êtes là, what? What the fuck just happened? 2400, c'est bien, je me rapproche de plus en plus, parce qu'elle va être quelque chose. Alors le capaciteur, les mecs, c'est quelque chose d'assez urgent quand même. Parce que vous êtes mignon là avec votre pipe small, mais... Si le courant coupe, je suis dans la merde. Ça m'a pas l'air de... Non, ça coupera pas. Mais quand même quoi. Deuxième jour avec un peu du temps, on va voir comment ça se passe. Ok. Ah ouais, c'est YOLO, genre y'en a un là, il bosse pas quoi. Pff. Il s'en bat les couilles. Et eux, ils sont plutôt longs hein, pour faire leur installation là. Con là, s'il vous plaît, un peu de respect. J'aimerais clore l'épisode sur quelque chose de positif. Putain, ils sont vraiment dépassés quoi, c'est n'importe quoi. Et ils vont me niquer mon temps de travail en même temps. Genre les mecs ils vont tout réussir à faire foirer. Quoi que tu me diras, c'est bon, il reste encore du métal là. Du métal là, ça vient de partout. Bon, ils galèrent quand même. Ils galèrent. Il y a des nouveaux donc on fait un shakedown. Ouais, ok, ils auraient eu du bug, c'est bon, on peut ajouter. Ouf. Cigarette. Alors, faire un shakedown au moment du work, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Elle a bugué. Ok. Bon, apparemment, elle aurait bugué. Ah, ils ont fini ça. Ils ont installé. Oh, c'est bon, ils ont tout fini. Enfin. Ouh, alors, voyons voir. Needs. Voyons voir comment ça se passe. Plus bien, nickel. Nouveau planning parfait. Maintenant, faut juste que je duplique des selles, quoi. Faut juste que je clone comme un. Hop, comme ça. J'aime une là, une là, une là. 4 sur 0. Ah, d'accord, il manque du mode. Ah! Ils veulent le déplacer au storage et ensuite la réinstaller. Oh là là. Ils sont vraiment spéciaux quand même. Du coup, je dois installer de nouveaux gardes parce que là, je vais augmenter ma capacité à aller en prison, mais... Voilà. On va attendre minuit. On va voir combien de fric on va se faire.
Oh là là, c'est mal organisé. Du coup, le mec est bloqué. Ça, le problème avec le clonage, c'est... Clairement, les gardes sont pas super malins. Et ça peut durer un moment. Bon, ça va faire deux de plus. Ce sera bien pour cet épisode. Bon, mais voilà, j'espère que cet épisode de Prison Architect vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va peut-être recruter plus de gardes, du coup. Nous allons augmenter notre quota de prisonniers. On va voir si je fais open, je vais en avoir combien? 9. 2 et 9. 31, c'est bon, je vais laisser. Donc nous aurons 9 prisonniers supplémentaires. Donc ça ira, ça rentrera. Puis j'en ai deux qui se cassent. Très bien. Hop, la selle est terminée. Magnifique. Tuk. Ah, j'ai plusieurs prisonniers qui se cassent en fait. Mais vraiment beaucoup. Bon, voilà, donc je disais, je voulais. J'espère que cet épisode de Prison Architect vous aura plu. Comme vous le voyez, on s'approche d'une bonne prison. Un bon petit truc. On a encore tout ce terrain à exploiter. Et j'espère qu'on va réussir à faire un truc bien. Parce que ça, cette saison, nous sommes bien partis. Il faut maintenant attendre le mouvement de génie qui va faire que je vais faire n'importe quoi. Et que ça va foutre en l'air notre prison. Mais bon, on l'attend toujours, j'ai envie de dire. Donc, on l'attend toujours. Voilà, je vous retrouve très prochainement. Je vous quitterai dès que les nouveaux prisonniers seront arrivés. C'est-à-dire Soon TM. Dire dans quelques secondes. Attention. Boum 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 boum. 14 prisonniers. Alors 14, c'est peut-être un peu too much. J'ai pas de la place pour les accueillir, on va dire. Bien, mais voilà, donc on se laisse là. J'espère que cet épisode vous aura plu, ça fait la troisième fois que je vous le dis. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao les gens.